Monsieur Fodou Soufana, président du groupe parlementaire démocrate libéraux. Ici, tout en me démarquant de l'acte ou de l'attitude de Monsieur Ousmane Gawal Diallo par rapport à l'agression dont a été victime Monsieur Djuldé Diallo, ici, nous marquons notre total soutien à M. Ousmane Gawal Diallo et nous nous opposons avec force à cette instrumentalisation, à cette utilisation politique faite par le pouvoir par rapport à un fait. Nous savons en Guinée, il y a eu des crimes de sang, il y a eu des centaines de Guinéens qui ont été tués depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir, et jamais une enquête n'a été enclenchée pour faire la lumière sur ces crimes majeurs, a fortiori rendre justice. Et donc, nous ne pouvons comprendre et nous n'accepterons pas qu'un fait de délit soit exploité pour des règlements de compte, pour utiliser cela contre l'UFDG, contre l'opposition. Et pour nous, si on ne peut pas comparer des crimes et un délit. Et donc, c'est inacceptable et nous nous opposerons par tous les moyens légaux à cette instrumentalisation judiciaire faite par le pouvoir en place. Et donc, nous allons mettre en œuvre un certain nombre d'actions politiques, juridiques et judiciaires pour montrer que le pouvoir en place est en train de divertir les Guinéens. Le pouvoir en place, face au manque de résultats de sa part, face à sa volonté farouche de frauder les élections présidentielles en perspective, aujourd'hui en train de détourner les regards sur les vraies questions liées au processus électoral, liées au respect de la loi, liées au respect des droits humains, liées à la satisfaction des besoins primaires des Guinéens. Et donc, l'UFDG, l'opposition, dérouleront des actions fortes pour dire encore une fois que ça ne marche pas. Ce n'est pas ici un problème de Ousmane Gawal Diallo, mais c'est un problème entre le pouvoir rétrograde que nous connaissons et l'opposition républicaine qui se bat pour une meilleure Guinée.